amis de la nature et de la biodiversité, bienvenue au château de la Bourdaisière à Mont-Louis-sur-Loire, qui a créé le conservatoire de la tomate avec plus de 700 variétés et qui célèbre ses 20 ans le 8 et 9 septembre 2018. Découvrez ces magnifiques tomates qui raviront vos papilles et vous donneront le sourire. Vos commentaires et vos likes sont les bienvenus. Je vous présente la Jack White, comme vous pouvez voir, une tomate qui fait quoi, 200-250 grammes. Et on va l'ouvrir pour découvrir ce qu'elle nous révèle. Voilà, elle est généreuse, elle n'a pas l'air très juteuse. Voilà, la Jack White. Alors, ce sont des tomates naturelles, vous voyez, de temps en temps, il y a des défauts, mais c'est pas grave, c'est bien meilleur que les tomates de supermarché qui n'ont plus de goût. Voilà, il y a des formes dans tous les sens, des saveurs absolument magnifiques. Donc, on va goûter la Jack White. Comme la plupart des tomates blanches, elle est très juteuse, très facile à manger et très généreuse. C'est pour moi une tomate 3, 4 étoiles sur 5. Bonjour. Regarde ce que c'est beau cet assemblage. La Jack White, c'est que magnifique. Vous pouvez goûter, ouais, si vous voulez. Ah, je vais goûter. Iris, Vivi, Julia, tu veux prendre un morceau de tomate? Toute blanche. Ah, là, ça va être... Goûte un petit bout. Tu vas voir comme c'est bon, hein?